silence. Maître Adrien Mubedi, président du Parti du Renouveau Démocratique, président de l'Assemblée nationale. Monsieur le responsable de la direction nationale du PAD, Monsieur Raphaël Akotayon, honorable, président du comité d'organisation des présentes universités de vacances du Parti du Renouveau Démocratique PAD. Excellences, Monsieur les leaders responsables de formation politique invités, Mesdames et Messieurs, honorables invités, militantes et militants du PAD, Monsieur les journalistes, je voudrais, avant tout propos, rendre grâce à Dieu que nous ayons des espaces de ce genre pour nous occuper d'une phase importante de l'activité politique publique, la réflexion intellectuelle et scientifique. Je rends grâce à Dieu que les responsables du PAD aient eu depuis fort longtemps cette idée de réunir les leurs pour faire part avec la population des questions brûlantes qui intéressent la vie de notre pays. Mais c'est au président Adrien Mubedi que je voudrais m'adresser. Pour lui dire qu'il doit être fier des performances de son parti politique. Très fier. Et au-delà de cette fierté, il doit se reconforter qu'il fait partie désormais et depuis très longtemps des immortels de notre pays. C'est une grâce exceptionnelle qu'un fils de la nation, de son vivant, et par rapport aux règles établies et de par ses mérites, puisse savoir se compter après lui parmi les immortels de son époque et pour son pays. Car votre parcours politique, je ne voudrais pas parler de votre parcours professionnel et d'autres choses, mais depuis une trentaine d'années, j'ai été et je suis encore un acteur de la classe politique et j'ai suivi votre parcours politique. Et je pense que vous êtes une référence dont nous et les plus jeunes, nous devons nous inspirer dans la construction de projets politiques stables et viables. Ce n'est pas pour rien que la nuit du 19 mai dernier, ensemble, nous avons porté l'espoir de la libération du pouvoir législatif sur vous. Je voudrais vous en remercier. J'ai l'habitude de citer, de dire, après la longue suite des philosophes politiques, des penseurs, que rien n'est cadeau, rien n'est gratuit en politique. Tout se mérite. Tout se mérite en politique. En politique, il n'y a pas de cadeau. Vous devez être fiers que vos progrès, vos ascensions, vos résultats, vous les méritez. Je ne veux pas être discutoire ou blesser certaines personnes en disant vous le devez à vous-même et à personne d'autre. Qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, il y a un résultat. Et c'est ça la valeur de l'homme politique. La valeur de l'homme politique et sa capacité à fidéliser son staff, son trésor politique, et sa capacité à en tirer des plus-values en termes de l'électorat. C'est pour ça que nous sommes ici, et c'est pour ça que je suis ici. Je suis ici, c'est vrai que mes amis, Confort, Romain Bla et d'autres à Cotaillon, vont se dire, mais donc vous n'étiez pas là, vous n'êtes pas là, parce que nous sommes des amis et autres.
Je le dirai avec beaucoup d'hypocrisie que c'est par amitié. Mais sincèrement, je suis ici pour des raisons politiques. Et beaucoup sont ici pour tirer des dividendes politiques de vos résultats. Et c'est ça ce qui est vrai. Nous pouvons faire la politique tout en étant conforme à nos convictions, à nos idéaux. Nous pouvons faire la politique tout en étant nous-mêmes dignes et fiers. Je suis là, Monsieur le Président, chers militants du PAD, pour des raisons politiques. Et c'est pour ça que je vais aborder mon propos qui aura deux volets. Le premier volet, c'est pour analyser le thème de votre université de vacances et faire ma contribution thématique intellectuelle. Le second volet, c'est pour vous dire que je voudrais en tirer des dividendes politiques. Monsieur le Président, chers experts du comité scientifique des présentes universités de vacances, votre thème préoccupe. Quel président ou 2016, quels en sont les enjeux spécifiques? Nous ne pouvons pas, excusez-moi, je n'ai pas écrit, mais assurez-vous, il y a une suite parfaite. Parce que tout ce que l'on conçoit se dit aisément, et je ne veux pas dire la phrase telle qu'elle. Le premier problème qui m'est venu à l'idée, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Ce contexte, chers amis, Monsieur le Président, est caractérisé par un affaissement des valeurs morales. Un réel affaissement des valeurs morales qui doit nous inquiéter. On ne peut parler de 2016 sans parler de l'état actuel et sans interroger les valeurs morales. Les fondements moraux de notre République sont affaissés. Et ceci dans tous les secteurs, que ce soit dans les maisons, dans nos religions traditionnelles, dans nos couvents même, et que ce soit aussi dans les religions importées, notamment les religions d'inspiration chrétienne. Il y a un affaissement des valeurs qui fait qu'on ne croit plus en rien. Le spirituel sacré ne fait plus peur. C'est dans ce contexte que nous sommes, chers militantes et chers militants. Nous devons donner une réponse à cela. Je ne veux pas, j'ai dit il y a une semaine, au cours d'une conférence, ce que je pensais et que certains s'en sont saisis pour faire leurs commentaires. Comme Galilée, je dis, et pourtant elle tourne. Et pourtant, il y a une confusion à la tête de la hiérarchie cléricale béninoise. Et pourtant, c'est la vérité. Deuxième chose, c'est l'éloignement que nous prenons vis-à-vis des acquis de la conférence nationale. Nous prenons trop de distance avec les résultats de la conférence nationale. Ces dernières années, je n'ai eu de cesse de rappeler que dans une démocratie, si nous ne faisons pas attention, nous allons voir une migration, une mutation dangereuse vers ce qu'on appelle la démocratie. Une démocratie n'est pas une démocratie. Je me suis appuyé pendant longtemps sur les travaux de Aldous Huxley, qui a dit que par la nécessité et l'hypercommunication, on peut amener l'esclave à aduler et à vénérer son esclavage. Et c'est ça ce que nous vivons, Monsieur le Président. On abuse de la pauvreté, de l'ignorance et de la nécessité des masses populaires.
Il y a une animalisation de la vie politique. Les expressions que j'ai toujours utilisées au sein de l'ancien parlementaire, il y a une moutonisation de la classe politique. C'est contre ça que nous devons nous lever. Et c'est ça que nous devons analyser. Nous devons voir ce qui nous a poussé à ces atrocités. Chers camarades, un démocrate français peut-il insulter la démocratie? Un chef d'État français peut-il insulter la démocratie? Je ne pense pas. Parce que la démocratie est notre référentiel. L'état de droit est notre référentiel. Nous devons nous interroger sur ce qui se passe. Nous devons aussi interroger le discours politique, Monsieur le Président. Et c'est là l'une des polémiques, les contradictions. C'est sur ces points que je ne suis pas d'accord. On ne peut laisser aucune personne être le premier ou la première personne à enclencher un discours mauvais à la paix et à la quiétude. Il y a des discours que nous sommes capables de dire qui sont des discours mauvais. Les discours de Banikwara, de Djougou, et j'en passe. Le discours de 1er août 2012, c'est des discours mauvais. Et parler de 2016, c'est parler aussi et analyser ces discours, ce qui amène ces discours. Monsieur le Président, j'ai analysé avec d'autres acteurs qui m'avaient invité la question de 2016 par rapport à la question de leadership. Et j'ai dit, me rabattant sur les travaux de Jean-Claude Monod, dans un célèbre ouvrage paru en 2013, septembre 2013-2012, qu'est-ce qu'un chef en démocratie? Monod a parlé de la question de leadership. Il en a distingué deux. Le leadership tout court et le leadership pathologique. C'est contre le leadership de type pathologique que nous devons nous élever, Monsieur le Président et chers amis du PAD. Qu'est-ce que leadership pathologique? Je ne peux pas un long cours, mais c'est seulement tout discours qui amène le bien public à soi, qui confond l'intérêt général et l'intérêt personnel. C'est ça ce qu'on appelle le leadership pathologique. Le nyewe, nyedie. C'est contre ça que vous devez vous lever. Voilà les pistes intellectuelles. Et je voudrais vous dire que s'agissant de 2016, quel type de président, quel enjeu spécifique? Oui, il ne s'agit pas de recourir en 2016 à la recherche d'un homme, d'un oiseau rare. Non, nous ferons une erreur grave si notre recherche, notre réflexion doit aboutir à chercher l'oiseau rare, l'homme parfait, sans tâche, irréprochable. Mon souci n'est pas là. J'ai dit que je combattrai les aventures personnelles. Les loups solitaires sont dangereux à leur clan et à eux-mêmes et à la forêt. Il faut de grands groupes politiques. Voilà ce que je voudrais vous dire. Et dire que 2016 sera par rapport aux réformes. C'est des structures mises ensemble et capables d'opérer de grandes réformes, des réformes radicales, de rupture. Car il ne faut pas que le prochain pouvoir soit héritier du pouvoir actuel, mais que le prochain pouvoir soit la redécouverte des vœux et des souhaits de la conférence nationale. Et je vais tirer les dividendes politiques en 2 ou 3 minutes. Et je vais quitter votre pupitre. Je souhaiterais dire au PRD et à son chef que vous avez un rôle capital à jouer dans ce pays. On ne peut pas aujourd'hui dans l'opposition
organiser un grand groupe politique puissant, significatif et pertinent sans vous. C'est clair. Personne ne peut le faire s'agissant de l'opposition. Et je ne vous vois pas, pour être logique et pour ne pas tromper, rendre illisible votre mouvement, je ne vous vois pas aller vers la mouvance. Vous êtes dans l'opposition et dans cette opposition, vous devez jouer un rôle central. La première dividende que je veux tirer. La deuxième dividende que je veux tirer, c'est que je voudrais discuter avec vous, avec votre staff, sur comment faire le casting gagnant de 2016. Vous savez, je suis un combattant. Je suis un guerrier de la liberté et de la démocratie. Je suis un combattant pur, un prototype du combattant. Je voudrais pouvoir savoir que nous nous mettions ensemble pour faire cette réflexion. Cette dividende politique, je la veux. Je ne suis pas candidat aux élections présidentielles 2016. Je vous le déclare, je ne suis pas candidat. Non pas que je n'ai pas les capacités, ni l'intelligence, ni l'habileté, ni l'ancienneté. Mais je vois qu'il y a beaucoup de candidatures impertinentes. Il y a beaucoup de candidatures pour amuser la galerie. Il y a beaucoup de candidatures en aluminium. Et je veux que le PRD, je souhaite que le PRD nous aide et aide ceux qui sont sérieux, ceux qui voient que le Bénin est si important qu'on ne peut pas s'amuser avec la fonction présidentielle. Je voudrais que vous nous aidiez à faire le bon tri. Voilà ce que je souhaite. Voilà ce que je souhaite. Enfin, et j'en aurais terminé là-dessus, je souhaite que des travaux de votre université de vacances jaillissent des idées, des propositions pertinentes qui pourront permettre à votre bureau politique, à votre direction nationale, au président Adjo Mbeji, d'indiquer le sens de l'étoile à cette nation. Cette nation a besoin de l'étoile pour se diriger. Parce que ce que nous avons vécu ces dernières années n'est pas bien. Et je voudrais vous remercier de votre soutien personnel, de vos coups de fil, et surtout de l'assistance de vos staffs, les plus jeunes de vos staffs. Lorsque des gens ont voulu confondre le pouvoir public au pouvoir personnel le 4 mai dernier. Je vous remercie et je voudrais vous dire un message que mon épouse m'a demandé de vous adresser. Elle m'a dit de vous dire toutes ses félicitations parce qu'en ce moment dur où elle était seule au charbon, elle a entendu, elle a vu le soutien et la chaleur des vôtres. Et plus tard, nous avons eu votre soutien et votre message. Merci infiniment à vous personnellement, à vos hommes, à tous vos collaborateurs, merci au PRD. Je voudrais souhaiter longue vie au PRD, plein succès aux travaux de votre université de vacances, et que ensemble, en avril, le 6 avril, que nous soyons ensemble pour prendre le pouvoir et gérer dans l'intérêt général de cette nation. Merci infiniment, merci beaucoup. Au revoir.